Altermonde. Ce qui s'est passé dans le bassin minier, ce n'est pas contre l'extractivisme que ça s'est produit. Ça s'est produit contre le fait que en Tunisie, il y a un nombre effrayant de chômeurs et que les embauches dans les sociétés de phosphate se font uniquement sur des critères qui n'ont rien à voir avec la justice ou les diplômes, mais c'est essentiellement les combinations et le fait d'être bien vu par l'administration ou d'avoir quelqu'un qui vous pousse, etc. C'était ça essentiellement. Donc l'argumentaire des protestataires, c'était: nous sommes les enfants de la région, nous avons les compétences, mais nous ne sommes pas employés par ces industries qui ne rapportent au final rien à la région et dont les retombées rejaillissent ailleurs dans le pays ou à l'étranger. C'était essentiellement ça. Alors qu'il y a aussi, il faut dire, quand même, il y a un petit bémol à ce que je dis, c'est qu'il y a un certain nombre aussi de gens qui protestaient contre les pollutions générées par les industries, par l'industrie des phosphates, notamment à Metlaoui, à Gafsa, de l'eau, n'est-ce pas, le fait qu'il y a des quantités énormes d'eau qui sont répandues dans la nature après le lavage des phosphates, n'est-ce pas, et qui détruisent l'environnement. Voilà, c'est cet ensemble de choses qui a fait que la situation s'est embrasée en 2008. Elle a des racines sociales, mais on ne peut pas séparer le social de l'écologique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ces gens vivent dans un cadre de vie dégradé. Et cette dégradation ne peut pas passer pour perte et profit. Cette dégradation a un effet sur le mal-vivre des gens. Elle est constitutive de ce mal-vivre. Quand vous avez une ville où l'eau n'est pas de bonne qualité, où il n'y a pas de trottoir, où il y a de la poussière, des poussières tout le temps, vous ne pouvez pas dire que l'écologie n'intervient pas. Même si les gens ne l'expriment pas, si vous voulez, de la même manière que moi. Mais je suis convaincu que c'est constitutif de leur révolte et de leur réclamation. La société civile a maintenant des armes. Les armes viennent de la Constitution. Pour les industries extractives, la Constitution a mis les choses très au clair, que les contrats pour les sociétés d'extraction, elles sont obligées de passer devant une commission de l'Assemblée de l'Assemblée des représentants du peuple, de l'ARP, n'est-ce pas? Donc, alors qu'auparavant, ce qu'il faut bien comprendre, là, ça peut vous sembler tout à fait banal, là, ce que je viens de dire, mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'auparavant, c'était seule la bureaucratie et le pouvoir qui décidaient, n'est-ce pas? Et là, grâce à la Constitution, grâce à la société civile et au fait que maintenant elle peut porter plainte, elle peut aller devant le tribunal administratif, elle peut aller au pénal, n'est-ce pas? Le pouvoir n'a plus le choix. Il est obligé de respecter la loi et d'être transparent, n'est-ce pas? Et je pense que le plus grand succès, ça a été ce que dit la Constitution. Les régions où il y a actuellement où de l'extractivisme pour le gaz de schiste, par exemple, comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est Kairouan, Tataouine et Kibili. Or, ces régions-là sont absolument dans le désert. Tataouine et Kibili, c'est quasiment le Sahara, c'est l'entrée du Sahara. Et c'est des régions relativement pauvres. Donc, il faut absolument expliquer aux gens les aspects négatifs d'un extractivisme à toute blinde, n'est-ce pas? Parce qu'il peut y avoir, un des rôles de la société civile, c'est précisément de dire aux gens quels sont les inconvénients de ces extractions, qu'est-ce qui va en résulter pour l'eau de la région, qu'est-ce qui va en résulter pour l'air, qu'est-ce qui va en résulter pour le changement climatique.
Ça, c'est un des rôles de la société chimique, de la société dans ces pays, dans ces régions-là, c'est de convaincre les gens qu'on n'essaye pas de leur enlever une richesse, de leur montrer l'aspect négatif et de leur montrer que le succès remporté par le gaz de schiste ailleurs, par exemple aux États-Unis, que comparaison n'est pas raison, parce que la Tunisie, ce n'est pas les États-Unis.